Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui le Nishmat Moshe Michael ben Machlouf, Amram Yoda ben Chadafik ben Esther, Nissim ben Ahuda et Sarah bat Chana Rachel. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Avodah Zara après Kehi Mishnah. Hey, Haya Ochel Imo à la Shulchan, Veiniach le Gina à la Shulchan, ou le Gina al Adul Biki, Veinicho Veyatza. Mashe à la Shulchan, Asur, ou Mashe à la Adul Biki, Mutar. ואם אמר לו, הווה מוזג ושוטה, אף שעל אדולבקי אסור. חביות פתוחות אסורות, סתומות כדי שיפתח ויגוף ותיגוב. On traduit tout de suite, היה אוכל אימו על השולחן. Il était en train de manger avec le goy sur la table. Il était à table avec le goy, c'est son employé par exemple. Et ce qui s'est passé, c'est que il s'est passé que Vehiniach le Gina à la Shulchan. Il a laissé sa gourde, c'est-à-dire sa bouteille de vin, sur la table. Ou le Gina à la Dulbeki. Et à part ça, il y avait une deuxième bouteille de vin, gourde, sur le Dulbeki. Dulbeki, regardez, le Bartanora, il écrit Dulbeki. Ça semble en hébreu moderne le Dalpak, une étagère. En fait, on parle que c'était une sorte de petite étagère ou petit chariot qu'on avait à côté de la table où on dégageait les affaires qui étaient en trop sur la table, on les posait à côté. Ça permettait de décharger la table de toutes les bouteilles, de les aliments. Et donc, en fait, il s'avère que il y a les aliments qu'on a mis à table que l'on mange et les affaires que l'on a laissées sur ce petit plateau à côté que l'on prévoit de prendre de là pour les mettre ensuite sur la table pour les manger ensuite. D'accord ? Et donc, on a laissé pour le moment deux bouteilles qui sont ouvertes. Une sur la table et une sur le dalpak. Maintenant, pour le moment, je gère la situation. Tant que je suis attablé avec le goy, moi je gère. Je sais très bien que mon vin, il est là. Il y a le vin qui est sur la petite étagère sur le côté. Aucun problème, tout se passe très bien. Ce qui se passe, c'est qu'ensuite, veinicho, veyatsa, j'ai eu un coup de téléphone, j'ai dû sortir urgemment. Je suis sorti tout de suite, même pour quelques secondes, quelques minutes. Et donc j'ai laissé le goy à table et je suis sorti. Et puis après, bien sûr, je reviens, je continue mon repas, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai laissé ma bouteille de vin avec le goy, peut-être que le goy l'a touché, peut-être que le goy l'a ouverte, peu importe, qu'elle était déjà ouverte, oui ou non, en tout cas, peut-être qu'il a mis ça maintenant et qu'il a rendu, il y a une esser. Alors j'ai le droit de toucher ou non? J'ai le droit de boire le vin? La Mishnah m'enseigne, Mashia la shulchan, assur, ce qui est posé sur la table, c'est défendu de le boire. Parce que là, c'est sûr que le goy s'est permis, puisqu'il n'a pas peur de moi. Je l'ai invité à table, il mange à ma table, donc ça veut dire qu'il a le droit de se servir de tout ce qui est à table. Lui, il va me dire simplement, qu'est-ce qu'il y a? J'étais à table, je me suis servi à boire, je ne savais pas qu'il ne fallait pas toucher le vin. Donc finalement, il craignait pas que j'apparaisse soudainement et que j'allais l'attraper en train de toucher ma bouteille de vin, parce qu'il sait très bien qu'il a le droit de se servir. Il n'y a pas lieu de soupçonner que peut-être chez les Juifs, on ne va pas laisser le goy boire du vin, ou peu importe. Donc de ce fait, Mashia la Shulchan, ce qui est posé sur la table, il est forcément interdit, c'est sûr, je crains que le goy a touché la bouteille et l'a rendu à Ineser. Tandis que, au Mashia la Dulbeki, ce qui est sur le plateau d'à côté, sur l'étagère, le petit plateau qui est à côté, par contre, c'est permis. Pourquoi? Parce que je l'ai invité chez moi à manger. Il mange à ma table. Et les règles de correction font qu'on ne se sert pas. J'ai jamais vu un invité qui va à la cuisine pour s'amener à manger. Et bien, selon le même principe aussi, ce que j'ai apporté sur ce plateau-là, pour ensuite prendre de là et le mettre sur la table, tant que c'est encore sur le plateau, ce n'est pas prévu à monter sur la table. Donc de ce fait, on ne va pas soupçonner que le goy s'est permis de toucher. Parce qu'imaginez que j'étais revenu soudainement dans la chambre, et je l'avais attrapé en train de toucher quelque chose qui se trouve sur le petit plateau ou sur le chariot. Il se serait senti très mal à l'aise. C'est quoi ces manières de se permettre de se servir tout seul quand il est chez moi? Donc de ce fait, ce qui est posé sur cette petite étagère, le vin, même si la bouteille elle est déjà ouverte, alors on ne va pas craindre que le goy a osé toucher ce vin pour le rendre inesser. Par contre, veimamar lo heve mozeg veshote. Si, par contre, j'arrive, mais je t'en prie, continue le repas, sers-toi, tout ce que tu veux. Donc ça implique même la soupe qui est encore posée sur le dulpeki, sur le dalpak, sur la petite étagère, si t'as besoin, tu te sers, si t'as besoin du pain, sens-toi comme à la maison. Si je le dis, je le parlais avec tellement de facilité, je l'ai invité tellement facilement, je lui dis, sors, je sais pas combien de temps ce coup de téléphone va prendre,
Donc c'est sûr qu'il va craindre que je vais réapparaître soudainement. Mais d'un autre côté, il ne va pas se sentir gêné de toucher même ce qui se trouve sur l'étagère ou même ce qui se trouve ailleurs, parce que la personne va continuer à nous le dire. De ce fait, même ce qui est sur le dulbeki, même les bouteilles, la bouteille qui se trouve sur le plateau, elle va être interdite, bien sûr, si elle est ouverte. Et la Mishnah continue à me dire, sache que pire que ça même. Même si en cuisine j'ai des tonneaux, eh bien, chaviot, ptuchot, asurot, et les, si il y a des chaviot qui sont ouvertes, des chaviot, donc des tonneaux qui sont ouverts complètement, alors ce sera aussi interdit, parce qu'il va me dire, je suis parti faire un petit tour dans ta cuisine, j'ai voulu voir comme elle était belle, j'ai vu que tu avais des tonneaux de vin, j'ai voulu goûter comme il était bon ton vin. Ça c'est si je l'attrape la main dans le sac en train de toucher le vin. Puisque cette éventualité elle est prévisible, de ce fait, il va se permettre donc de... Il va se permettre donc d'ouvrir le vin pour le rendre yaïnesser. Donc dans ce cas-là, le vin il va être interdit. Ça c'est pour les tonneaux qui sont déjà ouverts, qui ensuite, une fois qu'on les a ouverts, on les bouche avec un petit bouchon, peu importe. Donc on va craindre qu'il ait touché ces vins qu'il a rendu yaïnesser. Et si c'est des chaviot stumot, des tonneaux qui sont fermés, hermétiquement pour le moment, que je n'ai jamais ouvert, et bien malgré tout, le goy va peut-être se permettre de toucher ce tonneau, mais alors cette fois-ci, Kedeshi Iftach, Veigof, Vetigov. Il va se permettre, c'est un petit peu étonnant d'ailleurs, peut-être que la mise en scène n'est pas exacte, mais en tout cas, si on va soupçonner que le goy, si le tonneau il était complètement fermé hermétiquement, alors c'est sûr qu'il ne va pas se permettre d'ouvrir un tonneau. Mais si toutefois, je l'ai laissé suffisamment de temps pour qu'il ouvre le tonneau et qu'il le referme hermétiquement et qu'il étale ensuite le mortier tout autour, proprement comme ce qu'on apprenait dans la Mishnah précédente, alors ça suffit pour devenir interdit. Pourquoi ? Étant donné que je l'ai invité et je lui ai dit, vas-y, serre-toi, je ne sais pas combien de temps le téléphone va prendre. Serre-toi, fais comme à la maison. Alors, fais comme à la maison, ça implique de servir de tout ce qui est ouvert et même aussi éventuellement d'ouvrir un tonneau si toutefois c'était nécessaire. Il pourra me dire, ouais, ça me disait de voir ton vin, comment tu le fabriques, ce qui est de quelle qualité il a, ou peu importe. Donc, de ce fait, si je l'ai laissé suffisamment de temps pour qu'il puisse toucher un tonneau, l'ouvrir et le refermer, et bien ce tonneau, il sera, dès lors, il sera interdit à la consommation. Bien sûr, selon le temps requis, selon Rabban Shimon ben Gamliel, qui implique d'ouvrir complètement le tonneau et le refermer avec le mortier pour qu'il puisse sécher, comme dans la mission précédente, on avait évalué ça, on avait dit, bon, à titre d'exemple, pas les 20 minutes pour faire le petit trou, mais plutôt les 30 minutes, 40 minutes, selon Rabban Shimon ben Gamliel. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Sacha Koltou, salam.